Salut, c'est Fanny. Normalement, je mène l'enquête, mais cette semaine, je voudrais faire une surprise au garçon. Donc on va aller voir une copine à moi qui s'appelle Jeanne Massa et on va faire la déco de tout le plateau. Allez, venez avec moi. Bonjour Jeanne Massa, vous êtes la cofondatrice d'Habitéo. Je suis la cofondatrice d'Habitéo. D'accord. Qui est une start-up. C'est étonnant cet endroit, en fait on est dans un bus là. On est dans un bus, on est dans l'Habitéo Truck. On a choisi de modéliser et de rendre visible tout ce qu'on était capable de faire en nouvelle technologie dans un espace où qui pouvait aller à la rencontre des gens. Jeanne, moi j'ai une idée, je veux modéliser le plateau des garçons. C'est une surprise pour eux, faut pas le dire. J'ai les plans là et je voudrais qu'on le fasse ensemble, c'est possible? C'est possible. Ça c'est incroyable quand même tout ça. Ce que je vais regarder, c'est la modélisation du studio des garçons. Eh oui, allez, oh là tu y vas? Ouais, bah tu ouais. Le visites? Ouais. Allez, on y va. Mais c'est assez incroyable. Hein. C'est parti. Alors là, tu vois, tu as une petite manette. D'accord. Tu te déplaces en le positionnant en bas. Donc là, je suis au centre du plateau, il est tout en bas de moi. Ok, donc le coin cuisine, il est par là. Oh. Il est par... Il est là, effectivement. Le coin cuisine, il est là. Voilà. Ah ouais, c'est sympa. Ah, Jeanne, c'est vachement joli ce que tu nous as fait. Tourne-toi, tourne sur ta petite chaise. Hop, je vais par là. Et là, tu découvres. Je vois la télé devant moi. Ouais. Bon, et si maintenant, j'allais voir la scène? Alors, tourne, dans le sens. Voilà, tu y arrives. Ah, allez, génial, hop. J'y suis. Ah ouais, c'est génial. Et si je me retourne, là, je vois tout le plateau des garçons. Je pense qu'ils vont être ravis. Je suis assez contente de la modélisation qu'on a faite toutes les deux. Bon, ça y est, j'ai les plans, j'ai du papier peint, mais maintenant j'ai besoin d'aide. Venez m'aider les garçons. En quête d'appart, samedi à 10h et dimanche à 21h sur BFM Business.